Coucou, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle recette que j'avais postée sur Instagram en story. C'est le pain marocain sans pétrissage. Oui, les filles, sans pétrissage. C'est parti, on commence avec les ingrédients. Donc, j'ai ici 500 g de farine complète, 200 g de semoule. J'ai également 500 ml d'eau, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de levure. J'ai également 2 cuillères à soupe d'huile, des graines de chia. On va commencer par utiliser notre mixeur. Dans le mixeur, on va mettre notre semoule, le sel, le sucre, la levure ainsi que l'eau et on va mixer pendant environ 5 minutes. C'est vraiment une recette hyper rapide qui ne demande pas de pétrissage, mais ça demande des temps de repos comme vous allez le voir juste après. Donc une fois que c'est mixé, nous allons prendre donc notre farine. Moi personnellement, j'aime beaucoup y ajouter des graines de lin. J'y ajoute aussi du son d'avoine. Voilà, donc on va mettre ça dans un plat. Rajouter l'huile et notre mixture. Donc la mixture, on va venir tout simplement ramasser la pâte. Vous allez voir que vous allez obtenir une pâte qui est collante. Ne la travaillez pas trop. Vraiment, l'idée, c'est de la rassembler. Une fois qu'elle est rassemblée, on la couvre et on laisse doubler de volume. Lorsque le volume a doublé, je vais venir peser. Oui, je pèse mes petites boules pour avoir la même taille de pain. Et je vais venir donc les préparer. Personnellement, je les travaille avec un peu de son et de la semoule. Voilà, je mets ça dans le four qui a été préchauffé à 40 degrés pendant environ 30 minutes. Donc je laisse encore une fois doubler. Une fois que c'est doublé, je retire, j'allume mon four et je fais cuire mon pain. Et voilà ce qu'on obtient. Magie, magie, oui, on obtient vraiment un pain super bon. En plus de ça, il est bien moelleux à l'intérieur. Et voilà, écoutez, je trouve que c'est vraiment super pratique si vous n'avez pas de machine. En tout cas, pour ma part, ça me dépanne bien lorsque j'ai des invités. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.